Est-ce que tu vois la carrière de Paul Pogba terminée après son affaire de dopage, après son histoire de dopage, les amis? Partage-moi ton ressenti en commentaire. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Paul Pogba. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis. Paul Pogba a été contrôlé positif à la testostérone, les amis. Et selon lui, c'est son ami médecin qui l'a conseillé de prendre ce produit. Franchement, si moi j'ai un ami ainsi, je me débarrasse de lui. Soit cet ami est de mauvaise foi, soit il est incompétent. Dans tous les deux cas, je me débarrasse de cet ami. Parce que cet ami va bouger la carrière de Paul Pogba. Parce que j'ai du mal à voir comment Paul Pogba va s'en sortir dans cette affaire. C'est très compliqué pour lui, les amis. C'est très compliqué. C'est hyper compliqué. Comme Samir Nasri l'a dit, il voit mal comment Pogba peut encore revenir au très très haut niveau. Il voit mal Pogba rejouer au très très haut niveau. Donc, si moi je suis Paul Pogba, je vis cet ami, je me débarrasse de cet ami docteur-là. Parce que pour moi, soit il est incompétent, soit il a fait ça expressément. Partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao!